رجعنا سلامة. كما هضرنا من قبيلات في لا ستوري هذيك على لامبورطاسيون طوموبيل، حبيت نحكي لكم واش صاري باسكو يا دو نوفو. دونك سا سري بيان دو ريميتر لي شوز ا بلا كيما يقولوا. الكونسيسيونير بعثوا البارح مرية جديدة لا كاتريام، اذا مانيش غلط البريزيدون ديالنا السيد عبد المجيد تنبول. البرية هادية فهموه لا سيتياسيون كاتاستروفيك اللي راهم فيها. اون بروميي ليو قالوا له بلي انت مديت اوامر لو 5 ديسمبر باسي، وانا جافي في فيديو عليها و جافي كريتيكي بلي قلت بلي ما حيصرا والو، ايفيكتيفمون ما صرا والو، حاجه من دارت علينا سا سونت بارونتيز. فديك لا ريونيون في كونسي دي مينيستر كي ا يو لو 5 ديسمبر دانيل، Le président avait ordonné au ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, d'accélérer le processus de délivrement des agréments pour les opérateurs algériens. Hadza'a qu'il y a plus de 70 dossiers qui ont été déposés au niveau du ministère de l'Industrie, où sur 70, à peu près 71-72, qu'il y a Bizarrement, seulement 8 dossiers qui sont validés. Techniquement, ils sont acceptés. Mais ça, le problème est la signature du ministre. Le ministre n'a pas encore signé, alors que le Raïs a dit que les agréments les agréments qui ont été faits pour les agréments. Donc, ils ont rappelé la situation. Ou, comme on dit, les agréments qui ont été faits. Ils lui ont expliqué le préjudice financier de Rahombe. Donc, à Djemaat, après. Wesh, loulou. Ah, voilà. Donc, après avoir investi pour s'aligner sur le cahier des charges de Farhat Haïtani, Bantam Mohamed Bacha, ou de Kaoujad Ahmed Zardar, il y a eu un cahier de charges d'Id. Kharota fait Kharota. Donc, après avoir déboursé plusieurs milliards, c'est des emprunts bancaires, c'est des fonds personnels. Donc, comme je disais, le préjudice financier. Les 70 opérateurs à Doma, le groupement des concessionnaires automobiles algériens, dans une estimation où ils ont avancé le chiffre de 1000 milliards de centimes. On a qui la lettre que j'ai عندي اللي بعثوها للرئيس دونك راه راهي عندي انا ثانيت. J'étais choqué, 1000 milliards de centimes. C'est aberrant, c'est choquant. Chiffre كبير بزاف. العقل تاعك ما يقدرش يتخيلو، ما مدخل دراهم هادو ما في دارك، ما شكيتش يدخلوا. علينا. Donc, les 1000 milliards à Doma, ils ont expliqué Minjao. Ils ont expliqué que les 1000 milliards à Doma renvoient au contrat à la location des hangars, des infrastructures, des ateliers, c'est-à-dire le service après-vente, l'aménagement des infrastructures, l'achat de matériel divers, pour, par exemple les ponts. Les générateurs, les compresseurs, les l'outillage, ils ont souligné le fait que. Asbacho. Wesh loulou. Qu'on va. Ils ont aussi souligné le fait qu'ils ont employé des gens, ils ont recruté de la masse salariale qui est déclarée, qui gagne un salaire, mais qui ne travaille pas. Parce que ton obélat ma cage. C'est quoi l'intérêt d'instaurer ou de mettre en place un cahier de charge ou une ana ou l'intérieur dès que tu fais de la vidéo tu vas l'appliquer lettre à point à point par point. Mais bon, je fous mes bonnes dans là con ou il faut appliquer lettre par mot à mot, lettre à la lettre. Ils ont tout fait dans les règles de l'art. Ana, j'ai visité quelques enseignes d'ailleurs.
quelques marques qui doivent avoir leur agrément. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ne sont pas l'agrément. Putain de merde. C'est quoi le délire derrière? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça profite à tierce personne? Je vous pose la question. Donc, ils ont expliqué tout ça et la situation ne bouge pas. Comment se fait-il que Raïs donne un ordre? Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Alek serrou la situation a dit Yallah, réglez un problème parce que l'année d'arrêt de Jacbira. On en parle depuis une année et quelques, l'importation des mahbistoulis. Donc, comment se fait-il que le premier magistrat de l'État, c'est Raïs, c'est lui, il ordonne à son ministre, qui est l'exécutif Diallo, de libérer le secteur. On était à 48 jours après, le Redouan Chalat, on sera mardi. Donc, Redouan Chalat, il y a l'article d'Yalé. Comment se fait-il que 49 jours, voire 50 jours après, rien n'a été fait? Le président a aussi dit qu'il fallait revoir le cahier de charge. Revoir le cahier de charge ou réviser le cahier de charge, c'est deux termes différents. Revoir, ça veut dire on va avoir quelques textes de loi. Tac. 3, 4. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais réviser, c'est chaud. Hein? Réviser, c'est chaud parce que tu vas tout refaire. Quoi. Du premier texte jusqu'au dernier. Et ça, c'est trop. Hajjak Bira Bzer. Donc, Anna qui a d'abord allé à Adlakaya la dernière fois, c'était le 5, 6, 7, 8. C'était le 8 décembre. J'ai rencontré l'avocat des concessionnaires. Oustad Senna, la Dekra Al-Akhir. Fommo, Kalibli, il ne peut pas y avoir un cahier de charge fait Shahar parce que le cahier de charge en lui-même, il doit être élaboré par un comité qui doit être élaboré. Ensuite, tu dois le soumettre à la PN, à la chambre basse, à la chambre haute, Diallo, ou dire la publication Diallo au journal officiel. C'est une procédure qui prend techniquement 4 à 5 mois. Donc 4-5 mois, ça nous renvoie à mai, que nous fassions l'Aïd, Inch'Allah, que nous yam Ramadan plus tôt. Donc ça nous renverra vers juin, que nous sèf, juillet. Donc moi je table personnellement, c'est un avis personnel, c'est une analyse personnelle. Je pense qu'il va falloir tabler sur septembre, octobre, sauf si t'as l'ouahi. Donc, ils ont souligné le retard, ils ont mentionné également la lettre d'Yalhom. Comment se fait-il qu'un comité technique interministériel tarde tellement à donner des réponses à là les agréments à dire. Vous y allez là pour donc une tête à dossier comme à Kabul Holex comme à Gal et Dalat avec le hack des recours. Je m'adapte les recours. Donc ils ont fait une commission des recours. La commission des recours a statué sur 8 dossiers. 8 marques. C'est des gens qui sont dans l'activité automobile ou la motocycle ou la camion depuis des années et des années. Je ne sais pas comme je connais. Je comme trois indices bien précis de l'Ibad Hadouma. Donc, comment se fait-il que l'Ibad qui remplissent les conditions, les infrastructures, les عندهم les potentialités, les عندهم l'aql ou عندهم l'aptitude à gérer des entreprises lourdes qui m'ont dit que je n'ai pas de ou je ne vous parle pas d'autres personnes qui n'ont pas d'autres même s'ils n'ont pas l'agrément je ne vous parle pas d'autres fait la liste des 8 personnes qui n'ont تمدلو لاغريمون بلا مزيتك خو عندو لا كاباسيتي جو بار با دو لا كاباسيتي فينانسيير باسكو بوغ امبورتي دي فيكول في الجزائر ماشي بدراهم سي
La lettre de crédit, la LC, lettre de crédit qui est ouverte par l'opérateur via la banque Diallo, et des transferts bancaires, la maison mère, les rames, c'est un contrat d'exclusivité. Le contrat d'exclusivité, parce qu'on a fait un comble, il y a des marques qui ont résilié leur contrat d'exclusivité avec les Algériens. Les correspondances ou les mails, les battements, personnellement, je les ai. Et qui tu te rends compte que l'intérieur, il dit insane. Bon, c'est un businessman. Ça veut dire la situation critique de votre pays incombe des mesures. Nous sommes dans l'obligation de résilier tout contrat avec vous. Ou quand il y a un bad, vous êtes comme Aliha, d'Arofi c'est bon, c'est acquis, c'est réglé. Donc les gens ont lancé des commandes à des véhicules. Quand insane, il a lancé la commande à 600 véhicules. La maison malade, elle a rompu le contrat, elle a résilié le bail, ou je déroule une pénalité, 15 euros par véhicule et par jour. Rendez-vous compte du préjudice. C'est un préjudice sur 3 mois. Menaceur, si vous n'ouvrez pas une lettre de crédit sous 8 ans, c'est ma technique, fini, 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 on fait un petit peu de عيب لحقنا الدرجة هذه حاجة طونوبيل دونك maintenant c'est le dernier recours les concessionnaires هذوما le groupement des concessionnaires viennent d'envoyer هذه la lettre à le président. Le président il est parti en Égypte ان شاء الله كي يولي يعطيوها له يقراها ويوضحوا لنا الامور باسكو كومون سو فيتيل كو الرئيس يعطي امر والتنفيذي ما ينفذش تمت ليكزيكوتيف نا نيكزيكوت با لي كونسين هادو ما ولا الديريكتيف كومون سا سفي كاس كيليا اسكو لا سيتوياسيون هادي اي كوزي با لا ديفالياسيون دو لا دينار وين لو دولار البارح ولا لو البارح الى كوتي 140 دينار في البنكه خاوتي طلع لا ديرنيير كوتاسيون سيتي اون اكتوبر كان يدير 137,64 pour 1 dollar. Donc, pour 1 dollar, il faut 14,000 مخيطة. Avec virgule quelque chose. Mais 14,000 حتى. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'on n'arrive pas à emporter des véhicules? Moi, je pense que c'est l'une des raisons principales. Parce que l'État cherche à réduire la facture des importations. C'est une bonne chose, un MAC, mais il faut. En contrepartie, si tu veux réduire, il faut prévoir quelque chose de solide. Bêche, mettre de drame devise, bêche, jib, c'est la ça. Tu as un contrepartie productif et bladuk. Donc, la situation reste critique. Je vois aucune visibilité faire à l'importation. Est-ce que ça va se débloquer avec cette lettre? Qui m'a dit que ils en sont à leur quatrième. Alors, quatrième. اسمع اسمع يا فولكم واي دونك سي فلو اسكو انا جو بوز لا كيستيون انا جو بوز لا كيستيون نعاودها ام دون ميز اكري جو بوز لا كيستيون هادي وتقدر تقراوها نهار ثلاثة ان شاء الله في الجورنال جي با سي جو في بوستي لا فيديو هادي اليوم اوني لاندي ولا غدوه ان شاء الله مردي Mais l'article est à Redouan, Inch'Allah, mardi ou la Taliou, mardi, je ne sais pas encore une fois, quand je vais poser la vidéo. L'article est, je pose la question encore une fois, est-ce que la situation hadi profite à tierce personne ou à tierce groupe ou à tierce marque? Faut se poser des questions fondamentales, surtout quand on sait que il y a un accord de partenariat et d'échange commercial qui a été signé entre l'Algérie et l'Union européenne, où le nouvel ambassadeur pour l'ONU. Enfin, pour l'Union européenne plutôt, si je ne me trompe pas, c'est Stéphane Eckert. Eckert, quelque chose comme ça. Mais Stéphane Eckert a précisé qu'il fallait revoir le cahier de charge, blablabla, blablabla. Oui, on a parlé la dernière fois. Je vous invite à revoir la vidéo de Lula. Lula, Lula, Gaëtik. Ça vous donnera plus de détails à la situation. Donc, je pense, je ne pense pas, je ne saurais répondre à ces deux questions-là. Ce que je dis, Anna, elle ne concerne que moi, c'est un avis personnel.
ou c'est à vous de juger la situation Hadia. Ou entre parenthèses, avant que j'oublie, les concessionnaires Zadoumdou un chiffre, les Yichla, est-ce que vous savez que les valeurs ont les valeurs? Valeurs. Les voitures ont grimpé de 200% depuis 2016, l'Iomina, 200% d'augmentation. C'est nous, hein, les automobilistes, c'est nous, les conducteurs. C'est nous qui allons payer la facture à la fin. Même si le trésor public gagnera de l'argent en important des véhicules parce qu'il y aura des frais douaniers qui seront payés par les opérateurs, mais à l'arrivée, c'est toi, c'est moi, X, Y, Abdur, Houari, Jilali. Donc, voilà, voilà. Mais avant toute chose, partagez la vidéo, partagez-la, dire j'aime, commentez, ou ma tinsaش حاجة, abonnez راك يا خو, لازم t'abonner, بلا مزيتك يا خو, راك تشوف فيا, لازم t'abonner parce que انا خوك راشد, je te donne une putain d'information, خو, في عالم السيارات, بالون خاطيني, سياسة, c'est pas trop ma tasse de thé, mais نقصر شوية, mais سيارات عالم ديالي, donc خو يا العزيز, abonnez, partagez, دير جيم, كومونتي, ديرهم كاع خو, نتكل عليك, donc encore une fois, نتكل عليك خو, ما تكترش عليا, يرحم والديك, les jeunes, سلام.